Ok. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីសំណាកាដោយអ្វីដែលអង្គជំនុំជម្រះបានជម្រាបជូនភិក្ខុនិងសាធារណជនរួចហើយក៏វាសម្មិញថានៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសំណាកាសម្រាប់ថ្ងៃនេះអង្គជំនុំជម្រះនឹងបន្តស្ដាប់សក្ខីកម្មសក្សីឈ្មោះនិកនដែលនឹងត្រូវតាំងសំណួរនឹងដល់បន្តដោយក្រុមដំណាងសហប្រញ្ញា ឡើងធ្វើរាយការណ៍អំពីស្ថានភាពរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីជំរាបលោកប្រធានជនជាប់ចោតអៀងសេរីមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រោមសាលសវនាការគាត់បានលាក់បងសិទ្ធមានវត្តមាននៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះលិខិតលាក់បងសិទ្ធរបស់ជនជាប់ចោតរូបនេះបានប្រកល់ដល់ក្រមជីរួចហើយ អរគុណអង្គជំរះបានទទួលដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីចុះថ្ងៃទី 29 ខែឧសភាឆ្នាំ 2012 ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈមេធាវីការពារក្តីបកគាត់សូមលះបងសិទ្ធចូលរួមសម្មនាការដោយផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សម្មនាការនេះដោយសូមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍សម្រាប់រយៈពេលសម្មនាការពេញមួយថ្ងៃនេះដោយមូលហេតុបញ្ហាសុខភាពមិនអាចអង្គុយតាមដានស្ដាប់ក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការផ្ទាល់យូរបាន អង្គជំរះយល់ឃើញថានៅពេលនេះជនជាប់ចោតអៀងសេរីបានលះបង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សម្មនាការផ្ទាល់តែគាត់អាចតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្មនាការពីចម្ងាយពីបន្ទប់ខាងក្រោមបន្ទប់សម្មនាការនេះតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរទស្សន៍នឹងអាចសម្រួលដល់ទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងក្រុមមេធាវីការពារក្តីរបស់គាត់អង្គជំរះសម្រេចយល់ព្រមតាមដំណើរសុំរបស់ជនជាប់ចោតអៀងសេរីដែលបានស្នើសុំលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងកិច្ចដំណើរការសម្មនាការដោយផ្ទាល់
Je vais revenir maintenant aux questions par lesquelles j'avais terminé l'audience hier soir. C'était des questions qui portaient sur les différentes réunions auxquelles vous aviez assisté au niveau de la cellule ou du secteur. Et je voudrais maintenant vous demander si, en plus de ces réunions au niveau local, dans la cellule ou dans le secteur 32, y avait-il des assemblées annuelles ou biannuelles au niveau de la zone à destination des cadres du parti? ខ្ញុំឆ្លើយតាមចាំមិនបានអស់ទេតែធម្មតាមានសន្និបាតបាទសន្និបាតក្របខណ្ឌភូមិភាគនេះជាធម្មតាតែប្រមាណដងឬយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំចាំមិនអស់ទេបាទ Où se tenaient ces assemblées de zones? Est-ce que c'était toujours au même endroit ou cela a pu se passer à différents endroits au sein de la zone ouest? Nhôm chấm miên tất cả lại mùi để hiệp bàn chụp riệp sau mình kì hào chụp cá đồn và Qui participait, qui assistait à ces assemblées au niveau de la zone? Est-ce que c'était réservé à un certain type de cadre? Et si oui, lesquels? Donc, est-ce que cela veut dire que les gens des cellules des communes participaient, ainsi que tous les échelons qui étaient supérieurs aux communes, c'est-à-dire districts, secteurs? Oui, c'est-à-dire. Combien de fois avez-vous personnellement participé ou assisté à ce genre d'assemblée? សន្និបាតនោះប្រមាណដងដែរតែលោកចាំដែរឬទេខ្ញុំមិនចាំទេបាទហើយខ្ញុំចូលក្នុងសន្និបាតដែលគេប្រើឈ្មោះថាសន្និបាតបើកទូលាយបើកទូលាយបាទ Qui présidait ces assemblées au niveau de la zone? Qui les dirigeait? Est-ce que parfois des dirigeants du Cambodge démocratique venaient de Phnom Penh pour tenir des discours lors de ces assemblées? Nhôm nơi chám ban
mà đoàn đá cứ nhà thập ở đấy tới vì kháng lơ tới và về nó cứ khơi nguyên ta luôn chia và cái tờ mà đoàn Hai trào pi ta nôn chia nó ta lúc mà lư được khơi đặc nom cho anh quốc sinh tiên là một đó khung phía và chấm nó ta quay phơi chia bà thiên được gọi chui bà thiên lê khá khung phía nó đam bay phơi sàn bạc nóng đại rửa thế nhóm văn văn khơi nha bà Vous souvenez-vous, monsieur, à peu près en quelle année vous avez vu Nunchia dans la zone ouest à une assemblée de la sorte? Bạn smart và hay viên trong trong chết sập buôn này nữa mình chụp ba lo mà anh mình bán trong chết sập buôn xong mình chèm đang tiếp và hai chị trong chết sập pram này nữa mình chụp ba lo mình chạm chụp ba Pourriez-vous nous dire quels étaient, en général, les thèmes qui étaient abordés lors de ces assemblées de zone par le secrétaire de zone ou par les dirigeants qui venaient sur place pour y participer? Chăm chú bác tại rương thà còi sừng kềm chọc hơi chẳng ọc nía ruông nía sda sẽ tự cách làng vinh hơi chiều môi đắng đam với chụp rúng ca ăn vót nơi vô vái khuôn ốc và thông khuôn ai kể rích một trà cá đốt bán chúng mới biết vì âm sao mạnh bạn. Xong đúa. Combien de temps ces assemblées duraient-elles au niveau de la zone? Est-ce que c'était une journée ou plusieurs journées? Dans les bâtiments, nous avons jam dans trois trois vues pour faire des bâtiments. Pour en revenir au thème qui était développé, est-ce que vous avez jamais entendu parler à ces assemblées d'un thème en rapport avec les ennemis de la nation, les ennemis extérieurs ou intérieurs? Est-ce que vous avez jamais entendu parler de traître lors de ces assemblées annuelles? Trong trái nhóm lưu tài rương tha phơi giang ná cầm oi miến nẹ rìa riêng nữ tư vay tùm rốc co sang bà tê bò dương ai khăn măng cầm nót khăn nông grao giang bách
nhóm ở chùa thì ở bên chùa lo Est-ce que vous avez entendu Nunchia parler de personnes faisant obstacle à la lutte? Monsieur le Président, il y a deux exemplaires de l'étendard révolutionnaire qui se trouvent au dossier, qui publient des discours de représentants de l'ANCA parti, venus aux assemblées des cadres de la zone ouest qui se sont tenues en 1976, en juin 1976 et en 1977. Je ne vais pas montrer le premier document pour les besoins de la transcription. Il s'agit de l'étendard révolutionnaire du de juin 1976, référence E3-760 et D234.2.15. Je voudrais montrer un deuxième document qui est un autre étendard révolutionnaire. Qui est daté d'août 1977 et qui porte la référence E3-193 et D189.2. Simplement, je vais dire le titre de ce document. Il n'y a qu'un seul titre. Il s'agit du discours d'un représentant du parti au sujet d'un certain nombre de directives relatives à la construction, à la consolidation et au développement du parti dirigeant au cours de l'Assemblée des cadres de la zone ouest organisée le 25 juillet 1976. Je vais laisser Monsieur le témoin regarder quelques instants le contenu de cet étendard révolutionnaire. Monsieur le témoin, est-ce que vous auriez déjà vu cet exemplaire de l'étendard révolutionnaire qui concernait spécifiquement la zone ouest? Et pouvez-vous nous dire si vous êtes familier avec cette publication ou avec le contenu de cette publication qui est relatif à cette assemblée de zone qui s'est tenue en juillet 1977? Juste une autre question, Monsieur le Président. Est-ce que vous seriez familier avec ce discours qui a été prononcé dans la zone ouest
ខ្ញុំចេញលោកមេធាវីសូមគោរពលោកប្រធានលោកលោកស្រីចាក្រមអំបញ្ញមិញនេះសាកសីបានអះអាងឲ្យថាលោកអត់ដែលបានឃើញអត់ដែលបានអានឯកសារនេះទេតើយើងគួរតែអនុវត្តហើយធានឬវិន័យឬមូលគោលការណ៍ដែលលោកប្រធានបានដាក់ដែលទេសូមតាមចារណាសូមអរគុណបាទអរគុណមន្ត្រីរដ្ឋបាលលាការដកឯកសារចេញពីសាកសីវិញហើយនឹង បុគ្គលិកជំនួយការដកឯកសារចេញពីអេក្រង់កុំព្យូទ័រ Lors de ces assemblées de zones, est-ce que vous avez entendu plus spécifiquement que ce que j'ai dit tout à l'heure des membres du parti venant de Phnom Penh, donc de hauts dirigeants, parler du fait que dans l'ancien secteur 15, il y avait beaucoup de corrompus auparavant, qu'il n'y avait plus que de la chair pourrie, décomposée, mais que maintenant, cette chair pourrie avait été résolue et enlevée. Est-ce que vous avez entendu, lors de ce discours, lors d'Assemblée générale, d'Assemblée de la zone ouest, ce type de langage qui était tenu? នៅភូមិភាគប្រចាំនេះដែរឬទេការប្រើពាក្យពេចន៍បែបនេះតើលោកធ្លាប់ឮដែរឬទេ សូមជម្រាប សន្ទរកថា ដែល មាន ខ្លឹមសារ ដោយ លោក បាន បញ្ជាក់ អំបញ្ញ មាញ់ នេះ ខ្ញុំ ដូច បណ្ដៃ ឮ ទេ ក្នុង ពេល ហ្នឹង គឺ ព្រោះ Pourriez-vous nous dire, monsieur le témoin, si dans la zone ouest a eu lieu à un certain moment une vague d'arrestation, une purge parmi les cadres qui composaient la zone, les secteurs et les districts? ខ្ញុំជម្រាបខ្ញុំលើនិយាយតតគ្នាតាមរយៈការខ្សឹបខ្សៀវតែពេលនោះបើខ្ញុំមិនភ្លេចទេគឺខ្ញុំចេញផុតហើយចេញផុតមកខាងក្រសួងហើយបាទ Pourriez-vous préciser la période à laquelle vous avez quitté la zone ouest pour le ministère? Je crois que vous voulez parler du ministère des Affaires étrangères. Đang chết trong chết vùng phớt đang chết vùng vầy à mình chăm cho anh ấy bằng hai bằng này bố mò phơi ca này cửa xuống nó đi dạng về lấy nó mình hô phí bay khai bằng đăng đề hơi về nó việc cá về chú bốc chú bó lại về bố dừng kriêm ចាប់ផ្ដើមផ្ទុះសាជាថ្មីហើយការវឹកវរពីការព្រួយបារម្ភនេះទៅនោះហើយត្រូវប្រមូលផ្ដុំកម្លាំងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះអីហ្នឹង
nom ấy không nên là ná xạ xua là ná hiên xạ xua là ná rồi có đánh đau than là ná tuần nào mà ná đi được chứ này mình chỉ bao lo đi đi xong chuẩn bị chun ăn còn năng vào xong đủ Dans la région 32, lorsque vous y étiez encore, n'a-t-il jamais eu de personnes qui ont disparu de cette région, de ce secteur? Vous n'avez jamais rien constaté? ខ្ញុំមិនដឹងទេតែគាត់ណាលឺថាមានដកហូតទៅទទួលការងារថ្មីហើយទៅខាងណាឯខាងណាដូចបានជម្រាបគឺមិនដឹងទេគ្មានហ៊ានសួរហ៊ានអីទេបាទគាត់ណាដឹងថាដកទៅធ្វើការងារផ្សេង សំណួរ Et ces personnes qui ont été retirées, est-ce que vous les avez jamais revues? Est-ce que vous connaissiez dans le secteur 32 une personne dénommée Sit qui travaillait dans le district de Udong? Est-ce que vous connaissiez une personne qui s'appelait Keo au niveau qui travaillait à la région 32? Keo. Est-ce que vous savez ce qui lui est arrivé après, en 77? Est-ce qu'il fait partie des gens que vous connaissez qui ont été déplacés d'un poste à un autre? Est-ce que vous connaissiez un certain Sim, S-I-M, du district de Ponya Leu? Je voudrais juste mentionner à l'attention de la Chambre et aux fins de transcription que tous ces noms apparaissent dans un télégramme envoyé par la zone ouest au centre, un télégramme qui porte la référence, un rapport qui porte la référence des
369/12.1 et tous ces gens sont rapportés en mai 77 comme ayant été déjà envoyés au centre de sécurité S21. Monsieur le témoin, lorsque vous étiez en poste dans la région 32, est-ce que vous aviez jamais fait l'objet d'accusations ou de soupçons, même si c'était injuste? ສົມឆ្លើយជូនបុគ្គលខ្ញុំក៏មិនអាចវិនិច្ឆ័យថាតើត្រាក់លើនោះសង្ស័យខ្ញុំយ៉ាងណាក៏មិនដឹងដែរចេះតែខំធ្វើការទៅនេះសົມឆ្លើយជូនប៉ុណ្ណឹងបាទ សំណួរ Vous avez dit tout à l'heure que vous aviez été transféré au ministère des Affaires étrangères, soit à la fin de 77, soit au début de 78. Qui vous a envoyé de la zone ouest au ministère? អំណាចនៃការដកហូតឬការផ្លាស់ប្តូរពីកន្លែងនីមួយៗគឺមានតែគណៈកម្មការភូមិភាគគឺគេប្រើពាក្យថាមេភូមិភាគបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ Est-ce que le comité de zone vous a communiqué les raisons pour lesquelles vous étiez transféré au ministère des Affaires étrangères? Vous avez dit hier que c'était sans doute parce que vous étiez lettré, mais est-ce qu'il y a d'autres motifs qui vous ont été donnés? ដដែលគឺជាមូលហេតុមូលដ្ឋានគឺថាខ្ញុំចេះអក្សរចេះលេខច្បាស់លាស់ពីព្រោះជាគ្រូបង្រៀនដូច្នេះឲ្យមកទទួលការងារនៅក្រសួងសំស្របជាងហើយមូលហេតុដទៃទៀតខ្ញុំមិនដឹងដែរតែខ្ញុំបានទទួលពាក្យបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងបាទ D'accord, donc vous nous dites que votre transfert au ministère n'avait rien à voir avec la vague d'arrestation ou les purges de la zone ouest, c'est bien ça? Monsieur le Président, avec votre autorisation, je voudrais lire un extrait d'un document qui parle explicitement du témoin. Il s'agit d'un document que la Chambre a déjà admis, le document E3/89 et IS 20.6.
Il s'agit d'une interview de Yang Sari par Steve Hader le 17 décembre 1996. Alors, je voudrais lire un extrait qui est situé aux pages en Khmer 00062471 jusqu'à 72. En anglais 00417313 jusqu'à 15. Et en français 00332695 ainsi que les deux pages suivantes. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honors. Thank you, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, Your Honor. Good morning to everyone in and around the courtroom. Normally, I would not be objecting if we were, under normal circumstances, submitting evidence and using evidence with witnesses, as we would be doing in an adversarial proceeding. In these proceedings before the ECCC, the trial chamber has taken a number of decisions, some which I don't particularly agree with, but nonetheless, these are decisions that have been taken concerning the use of statements by others who haven't appeared in court in order to confront witnesses. This is a new development. We haven't been confronted with this sort of a situation. The prosecution began by asking leave. Leave was not actually granted. He then proceeded to go off and was about to read the passage. So at this stage, I would respectfully request that the trial chamber at least convene and decide whether under these circumstances this sort of a statement can be used in order to confront witnesses. As I've indicated, we haven't been confronted with this situation before. If the answer is yes, fine, then I take it that whenever any witness comes up to testify, then we would be permitted to use statements where references are being made to that witness by others who may or may not be testifying before this tribunal. So I respectfully request a ruling before the prosecution proceeds. Merci, Monsieur le Président. Je pense que dans ce cas-ci, c'est vrai qu'il ne s'est pas encore présenté. Il y a un lien très clair entre ce document, cet extrait du document et le témoin, puisque son nom est cité. Il y a un commentaire qui est fait par l'accusé Yang Sari dans cette interview qui a été admise. Il me semble qu'il serait normal de donner la chance aux témoins de pouvoir réagir à l'extrait que je vais, avec votre autorisation, pouvoir lire, de manière aussi à lui rafraîchir la mémoire sur les circonstances dans lesquelles il a rejoint le ministère des Affaires étrangères.
ដោលចំពោះសាក់សៃនេះបានសូមអញ្ជើញ Thank you, Mr. President. Just one point of clarification. I did not object. I asked for a ruling, and so I want the record to be very clear that I was not objecting, because then it gives the impression to the public, and to counsel, and to the record that somehow we have something to fear with this being used. I asked for a ruling, and I want to be very, very precise. Thank you. មូលហេតុសំអាងហេតុនៅក្នុងការករណីនេះគឺខុសប្លែកពីករណីដទៃទៀតដែលអង្គជំរះ បានសម្រេចរួចហើយករណីនេះគឺជាបទសម្ភាសជាមួយនឹងជនជាប់ចោតអៀងសេរីហើយនៅពេលនេះអៀងសេរីបាននឹងកំពុងមានវត្តមាននៅក្នុងកិច្ចដំណើរការសកម្មនាការប្រសិនបើគាត់ស្ដាប់បានហើយមានបញ្ហាអាចគាត់អាចតទល់ជាមួយនឹងសាក់សីរូបនេះបាន Merci, Monsieur le Président. Donc, je vais lire cet extrait dont j'ai mentionné déjà les références. Il est dit ceci. Alors, Steve Eder pose une question. Et depuis quand Nikon a été intégré? Et il fait référence au ministère des Affaires étrangères. Réponse de Yang Sari. En 1978, la fin de 77, il est venu depuis le mois de juillet 77. Oui, au mois de juillet 77, au moment où il a été accusé d'avoir eu des relations avec la CIA. C'est pourquoi il a été intégré, comme il était parent de Son Sen. Il a été envoyé au ministère des Affaires étrangères. Mais tous ceux qui ont été accusés d'être membres de la CIA ou d'avoir eu d'autres relations, tous ceux qui n'ont pas encore fait ce qu'on appelait les preuves, ou qui n'ont pas encore été torturés, on les a envoyés tous au ministère des Affaires étrangères. Comme Nat, il a été envoyé au ministère des Affaires étrangères également. Hock aussi. Question de Steve Hader. Auparavant, Nikon, quand il était sur le terrain, il était où? Réponse de Yang Sari. À l'ouest, au district de Udong. Fin de citation. Est-ce que Yang Sari vous a jamais dit les vrais motifs, selon lui, de votre transfert au ministère des Affaires étrangères une fois que vous y êtes arrivé? Ou est-ce que votre frère Son Sen vous en aurait parlé également par la suite? ដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនអង្គសាវនាការអមិញមិញគឺហេតុផលដែលបញ្ជូនខ្ញុំមកនិយាយតែប៉ុណ្ណឹងនិយាយថាខ្ញុំនៅកន្លែងនោះមិនសមស្របព្រោះការងារខាងនោះមិនទៀមទានអ្នកចេះអក្សរចេះលេខអីច្បាស់លាស់ទេដូច្នេះមកខាងក្រសួងសមស្របជាងរួចហើយក៏មកទៅ Nằm mơ tới có đã ở nhóm nơi không phải ốc
ហើយរឿងថាប្រាប់ខ្ញុំត្រូវគេចោទថាស្អីអាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះគ្មាននរណាប្រាប់ទេហើយតាមខ្ញុំយល់ដោយបានជម្រាបលោកប្រធានពីម្សិលមិញគឺថាលក្ខការសម្ងាត់នេះពោះណាការចាត់ចែងអីវានៅលើខាងលើទាំងអស់មិនអាចយកពាក្យពេចន៍ដែលពាក់ព័ន្ធដល់ខ្លួនបុគ្គលអីមកប្រាប់ទេដូច្នេះរហូតមកថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងទៅដឹងតាមលោកសហប្រិយញ្ញាបានបំភ្លឺតាមថាខ្លឹមសារមិញមិញនេះបាទខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនប៉ុណ្្
Je voudrais, Monsieur le Président, lire un autre très court extrait du même document E3-89, IS 20.6. Alors, en Khmer, c'est le début de la page 00062472. En anglais, 00417314. Et en français, 00-33-26-95. Donc je répète en français, 00-33-26-95. Question de Steve Hader. Et quand on a envoyé Nikon à ce ministère, quel type de travail vous lui avez confié? L'accueil des invités? Réponse de Yeng Sari. Non, il était responsable du protocole, chef du protocole. Steve Hader. Oh, chef du protocole. Après, Yeng Sari poursuit un peu plus loin. Nikon était supérieur à C. Mais celui-ci, ce qu'on appelait, gérait beaucoup plus loin de Hong. Alors, la dernière phrase, je crois qu'il ne faut même pas essayer de la traduire, elle est presque incompréhensible en français. Alors, je voudrais plutôt lire la traduction qui a été faite en anglais de cette dernière phrase. Il est dit plus clairement. Nikon was above so say, but Nikon... But Nikon was a much better administrator than Hong. Donc, je ne sais pas si je dois répéter parce que je me semble que la traduction est restée un peu en arrière. Donc, la dernière phrase en anglais, Nikon was above so say. But Nikon was a much better administrator than Hong. Alors, est-ce que vous êtes tout d'abord d'accord avec Yeng Sari pour dire que vous étiez effectivement le chef du protocole au ministère des Affaires étrangères durant la période où vous y avez travaillé? ខ្ញុំបានជម្រាបជូនគឺថាមកដល់នោះជាប្រអប់រួចម្ចាស់ប្រអប់ទៅណាមកណាខ្ញុំមិនដឹងទេហើយយកមកដាក់ឲ្យខ្ញុំចាត់ចែងទៅដូចឲ្យខ្ញុំទទួលទៅទទួលឲ្យភារកិច្ចថាផ្នែកទទួលភ្ញៀវជូនភ្ញៀវប៉ុន្តែទទួលភ្ញៀវនឹងភារច្រើនគឺជូនភ្ញៀវដែលខាងផ្នែកទទួលត្រូវគេទទួលមកឲ្យទីពីរមិនឯកភាពទេព្រោះវាមិនប្រើពាក្យឲ្យវាចំថាដូចហើយយុតិធម៌ហួសហេតុខ្ញុំមិនណាទៅមានសមត្ថភាពលើគណៈមន្ត្រីលើគ
intérimaire, si j'ai bien compris, du service du protocole. Vos fonctions, c'était essentiellement d'accompagner des délégations invitées ou des invités. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous deviez faire au sein du ministère? Et je ne parle pas de cultiver des légumes, mais plutôt en rapport avec des enfants. Combien d'enfants travaillaient ou se trouvaient au ministère des Affaires étrangères? Et qu'est-ce qu'ils y faisaient? D'où venaient ces enfants qui se trouvaient au ministère des Affaires étrangères? Est-ce que certains de ces enfants travaillaient à l'accueil des invités ou à aider à accompagner certaines délégations en visite au pays? Qui était votre supérieur immédiat au sein du ministère des Affaires étrangères? Est-ce que vous connaissez d'autres noms, les autres noms de ce monsieur Chim? Est-ce que vous connaissiez Chim déjà auparavant, durant le temps de la guerre de 5 ans? Mais est-ce que vous l'aviez déjà aperçu auparavant, durant la guerre? Je peux
លោកជាមគឺគាត់ជាមនុស្សរបស់ខាងលើដូច្នេះចំពោះខ្ញុំអ្នកមូលដ្ឋានមិនបានជួបទេ Donc vous avez dit que M. Chim était chef de votre service ou de votre unité. De quelle unité s'agissait-il? Mais de quoi principalement Chim s'occupait-il au sein du ministère? Chim got mien mok ngi avai khla nai knong kasuang ka borote nong got tveu ai che samkhan nong. Khnyom chamrieb chun. Mok ngi dai khnyom khoeng khnyom dang que khoeng got krob krong ruom nang krob krong pe reung chat chaeng ka ngia tam phnaek nana tona hai krao ve nang reung got put puong mai tuk ai oy bokkalak krasuang krao ve nang yang mai tiet khom mon dang de Est-ce qu'il y avait un lien quelconque entre le service du protocole et les questions de sécurité? Par exemple, les questions de sécurité des invités. Bất chạy ra nhóm mấy nhóm đánh văn cho buộc nhóm đấy nhóm nơi đó. Nhưng mình khởi nghĩ chìa cho bác lo chìa phá ca đấy. Qui était le chef immédiat de Chim? Ou qui était l'échelon entre Yang Sarit et Chim, ou les échelons, s'il y en avait plusieurs? Vous avez parlé de Yang Sarit comme ministre, vous avez parlé de Chim comme chef de service. Qui il y avait entre les deux au niveau hiérarchique? ជំរាបជូនគឺចន្លោះកណ្ដាលហ្នឹងក៏មានដែរតាមដែលខ្ញុំឃើញប៉ុន្តែឲ្យប្រកាសថាច្បាស់លាស់យ៉ាងម៉េចខ្ញុំមិនច្បាស់ទេគាត់ដោយលោកបានបញ្ជាក់ជូនខ្ញុំមិនហ្នឹងថាមានសម្ភារហ្នឹងមានហុងខ្សែអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាមានតែហុង ទៀមហ្នឹងប៉ុណ្ណឹងបាទដូចក្រៅវិញហ្នឹងសាធារណៈបច្ចេកទេសអ្នកបច្ចេកទេសដូចខ្ញុំទៅហៅថាផ្នែកនៃការចាត់ចែងដូច្នេះទទួលបទបញ្ជាផ្ទាល់វាជៀមហ្នឹងទៅចាត់ចែងទៅបាទប៉ុណ្ណឹងបាទ Lorsque vous accomplissiez vos fonctions en tant que chef du protocole, est-ce que c'était toujours dans le respect des instructions et sous l'autorité de vos supérieurs hiérarchiques?
Est-ce que Chim, est-ce que Hong aussi devait toujours respecter les instructions qui venaient de l'échelon supérieur, c'est-à-dire au moins la tête du ministère, Yeng Sari? Excuse me, Mr. President. May it be Lopatian, so much yes, right? The question is rather leading and does suggest the fact that it's not an evidence. Perhaps you can elicit more information to see whether the witness is competent to answer that question. But I do believe that he's trying to put words into the witness's mouth. And perhaps he's asking you to speculate. So you can go step by step on this one. Je vais juste reformuler la question. De la même manière que vous deviez respecter les instructions venant de l'échelon immédiatement supérieur, est-ce que Chim, qui était votre supérieur, devait également procéder de la même façon avec ses supérieurs à lui? ដំណើរនៃការប្រតិបត្តិជាទូទៅគឺអញ្ចឹងខ្ញុំបើនៅក្រោមជៀមជៀមណែនាំខ្ញុំស្ដាប់ហើយជៀមក៏យកការណែនាំនោះប្រាប់ថាខាងលើប្រាប់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងដូច្នេះខ្ញុំមិនអាចបកកាយអីយ៉ាងម៉េចទេវាព្រោះកាលនោះជាវិន័យដែលថែដោយខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺទាំងអស់គ្នាដំណើរការតាមវិន័យហ្នឹង Vous avez dit tout à l'heure que Yeng Sari était le responsable du ministère des Affaires étrangères. Est-ce que vous savez s'il occupait d'autres fonctions au sein des instances dirigeantes du régime du Kampuchea démocratique? Vous nous avez dit tout à l'heure que ne pas être certain des fonctions exactes, je crois, de Hong et de C, qui était, si j'ai bien compris, supérieur à Chim. Est-ce que vous connaissiez les fonctions d'autres collègues qui travaillaient au ministère? Est-ce que vous connaissiez, par exemple, Suong Sikun, alias Kong? ซุงซีเกินហៅកុងតើលោកស្គាល់គាត់ទេ Est-ce que vous aviez rencontré au ministère des Affaires étrangères une Française dénommée Laurence Pic, alias Paul? ឈ្មោះលរងឈ្មោះអីនេះខ្ញុំមិនស្គាល់ឈ្មោះទេតែខ្ញុំស្គាល់ថាមានបរាំងស្រីម្នាក់ហើយនៅក្នុងក្រសួងហ្នឹងរួចហើយដឹងថាជាប្រពន្ធជាប្តីគឺខ្មែរ
Est-ce que vous connaissiez parmi des collègues proches Chun Prasit? Est-ce qu'il lui arrivait assez souvent d'accompagner des délégations étrangères sur le terrain? Est-ce que vous connaissiez Monsieur Auk Sakun alias Men? Merci. Est-ce que vous connaissiez finalement aussi M. Long Norin alias Rit au sein du ministère des Affaires étrangères? Qui, au sein du ministère des Affaires étrangères, était désigné, selon ce qui était entendu à la radio, comme, je cite, le camarade secrétaire du comité pour les relations avec les amis du Kampuchea démocratique à travers le monde. Est-ce que vous savez qui, au sein du ministère, remplissait cette fonction? J'en viens maintenant à la période à laquelle vous avez travaillé au ministère. Donc, pour ce qui concerne le début, c'est probablement, si j'ai bien compris, en 77, dans ces eaux-là. Vous nous avez dit avoir travaillé que 3 mois sur place. Est-ce que vous confirmez cette réponse ou bien avez-vous travaillé plus que ça?
Est-ce que vous êtes resté au ministère des Affaires étrangères jusqu'à l'arrivée des Vietnamiens? Parce que ça, c'est un événement plus facile à situer dans le temps. Donc j'en conclue, monsieur le témoin, si je peux simplement calculer le nombre de mois qui se sont écoulés entre fin 77 et début 78, et l'arrivée des Vietnamiens, cela relève à peu près de 12 mois, ou même peut-être plus, ou un tout petit peu moins. Est-ce que c'est correct? ខ្ញុំមិនបានគិតដូច្នោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាត្រឹមត្រូវ 100% បងមិនហ៊ានថាបានខ្ញុំបានកំណត់តែការប្រហាក់ប្រហែលមិនបានគិតតរសោះរឿងហ្នឹងបាទ Merci. Alors, on va maintenant parler de votre rôle en tant que chef du protocole et des visites de délégation ou d'invités. Alors, en tant que chef du protocole, durant la période où vous étiez au ministère, est-ce que vous deviez souvent vous rendre à l'aéroport de Po Chien Thong pour accueillir des délégations étrangères ou pour accueillir des dirigeants du régime du Cambodge démocratique qui revenaient de visite à l'étranger? ដូច្នេះខ្ញុំបានម្ដងម្កាលទេណាដែលមិនសូវសំខាន់បានខ្ញុំណាសំខាន់គេមានឲ្យតម្លៃទៅអ្នកដែលទទួលនឹងតាមឋានៈតាមជាន់របស់គេហើយមិនបានញញាត់ទេ Je voudrais peut-être vous rafraîchir la mémoire. Il y a au dossier un article dans Phibis qui rapporte une émission de la radio du Kampuchea démocratique. Et c'est un article qui porte la référence E3/1361. Et D262.40 du 24 avril 1978. Nous n'avons que le IRN en anglais en ce moment-ci. Il s'agit du numéro 00-16-88-63. Alors, monsieur le témoin, il s'agit d'une émission de radio de Radio Phnom Penh qui parle de l'arrivée le 22 avril 1978 de Léon Burstein du Parti communiste marxiste-léniniste américain et du fait qu'il a été accueilli notamment par le camarade chef du protocole du ministère des Affaires étrangères à l'aéroport. Est-ce que vous vous souvenez avoir accueilli ou rencontré ce monsieur Léon Burstein, représentant du Parti communiste marxiste-léniniste des États-Unis?
ជំរាបជូនខ្ញុំមិនចាំទេហើយភ្ញៀវមានគួសមដែរមរយៈហ្នឹងដូចនេះឈ្មោះអីឈ្មោះអីណាណាអីណាណាខ្ញុំមិនចាំទេ Si vous alliez, si vous n'alliez pas, si j'ai bien compris, régulièrement à l'aéroport, qui y allait exactement du ministère? Est-ce que c'était le ministre lui-même ou est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui allaient accueillir des délégations étrangères à l'aéroport de Pohnchentong? ຕ້ອງບັນຈັກແນັດແລະພ້າຝໍໂຕຕົວຕົວນັ້ນគេກຶດຕາມຕໍາໄລຫຼືຄຸນນະພາບໃນຈະມະນຸດຈາສກອລສະຕໍໂລກແຈ່ພິສາແຈ່ພິທິການອັນຕະຣາຈິດໃຫ້ຂ້ອຍນັ້ນພິທິການເລີຍຮອງໃນຈົນນະບັດຕໍາມາໄປຈົນນະບັດ ដូច្នោះខ្ញុំចាំគឺមានលោកអុកសុគុននេះហ្នឹងលោកសុគុនហៅគុនគុនហ្នឹងបាទខ្ញុំចាំពាក្យកាលនោះគឺគុនហើយអាចមួយទៀតលោកប្រសិទ្ធនឹងភាចរានឃើញអញ្ចឹងបាទហើយខ្ញុំអត់ទេតើឡាភ្ញៀវ Et concernant Yang Sari, est-ce que vous vous souvenez s'il s'est rendu plusieurs fois à l'aéroport pour accueillir des délégations étrangères de très haut rang? បតាមរចនាសម្ព័ន្ធធម្មតាទៅចន់ខ្ពស់តលចន់ខ្ពស់ដូច្នេះគឺគាត់ហ្នឹងតាអៀងសេរីហ្នឹងគាត់ទៅប៉ុន្តែប្រហែលដងជាមួយភ្ញៀវណាខ្ញុំមិនចាំទេ En tant que chef du protocole, est-ce que vous deviez aussi assister à des réceptions, des banquets, des cérémonies, des spectacles, des projections de films qui étaient organisés pour les délégations étrangères ou par les ambassades étrangères à Phnom Penh? Et si oui, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples? Oui, je voulais savoir si en tant que chef du protocole, il faisait partie de vos fonctions d'assister à un certain nombre d'événements comme des banquets, des réceptions, des cérémonies, des spectacles ou des projections de films qui étaient soit organisées pour que puissent y assister des délégations étrangères ou qui étaient organisées par des délégations étrangères en visite au Cambodge et en particulier à Phnom Penh. ខ្ញុំធ្លាប់បានតែត្រឹមនាំបង្ហាញចូលត្រង់នេះចូលត្រង់នោះហើយជួយទៅរៀបចំកៅអីមុនហើយរឿងដែលចូលទៅចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងអីខ្ញុំអត់ទេអត់បានទទួលទេអត់បានចូលរួមទេ
ហើយការបញ្ចាំងភាពយន្តអីក៏ចង់ចាំមិនអស់ទេប៉ុន្តែភាពយន្តចិនដែលយកមកបញ្ចាំងតាមរោងកុនចាស់ៗនៅភ្នំពេញហ្នឹងឲ្យកម្មកឲ្យអ្នកក្រសួងមន្ទីរមើលនឹងបានជួយចាត់ចែងតែប៉ុណ្្នឹងទេ បាទអរគុណឥឡូវនេះដល់ពេលសំឡំសម្រាប់ហើយខ្ញុំរៀបប្រកាសសម្រាប់ប្រភេទនីតិចាប់ពេលនេះទៅទៅរហូតដល់ម៉ោង11ខ្វះ10នាទីសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសម្ណការមន្ត្រីរដ្ឋបាលតុលាការសរុបរួមផ្ដល់កន្លែងសម្រាប់សំរុំសម្រាប់សាក់សីនិងមេធាវីប្រឹក្សារបស់គាត់នៅបន្ទប់រងចាំរបស់សាក់សីហើយនឹងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកន្លែងផ្ដល់ទៅឲ្យកម្មនៅក្នុងបន្ទប់សម្ណការនេះនៅវេលាម៉ោង កំណត់គ